Danse comme ça quand tu Danse comme ça quand ouvre la porte pour moi, vas-y. Comment il s'est passé Pourquoi il s'est passé ça en fait? Bah, les lits sont trop mous et le sommier il est trop mou aussi, du coup il finit au sol. Écoute parce que c'est incroyable. Défoncé Fred. Pendant 7 heures à peu près. C'est un tard. Il m'a réveillé après. Je suis désolé, mais donc du coup, j'ai envoyé un message à la Fédé qui baisse les qualifs, hein, parce qu'avec la nuit que j'ai passée. Si je me blesse aujourd'hui, c'est parce que j'aurais pas eu assez de sommeil, c'est tout. Je pense que depuis qu'il est rentré, il a dû voir que tu te plaignais beaucoup. Hein? Je suis obligé. Voilà. C'est incroyable. Les guerriers, guerriers ne se plaignent jamais. C'est quand même. C'est quand même filmé sur un téléphone, tu vois. Imagine en vrai. Imagine en vrai ce que ça donne. Le mec, il hurle quand il dort, c'est incroyable. Comme on s'entraîne tous les jours ensemble, on bouffe ensemble. Ouais, on, c'est vrai. On, voilà, tu vois, on fait des petites sorties entre potes ensemble et tout. C'est vrai que du coup, ça, t'as entre guillemets tes habitudes comme moi avec ma chérie. Quoi. Pour ça, Fred, il a du mal avec les musiques africaines. Mais bon, ça va, il commence à danser dessus. Ça le fait. De temps en temps, quand on sort de la douche, on enchaîne avec un petit coupé décalé. Voilà, c'est ça. Bon, ce matin, je me suis levé à 7h. Pour prendre un petit déj tôt, parce que j'ai peut-être le concours à 9h45, donc m'habituer à savoir ce que je vais manger demain matin, c'est important pour savoir comment je me sens après dans la journée, si à 9h45 je me sens plein ou ça va, je me sens en forme léger, donc j'ai pris mon petit déj que je prendrai demain matin. Je me sens bien physiquement, je suis prêt, donc je suis pas en train de me demander si est-ce que je me sens un peu mieux qu'hier matin hein, ou que la dernière fois où j'avais fait 20 mètres. Je suis prêt, hein. On verra. On peut pas savoir à l'avance comment ça va se passer, quoi. Donc, je sens bien. Après, ça va le faire, tranquille. Je serai là pour ta Marseillaise. Ouais, parce que les... Comme il y en a 7 à 21 mètres, ils sont tous tombés malades. Du coup, c'est peut-être possible qu'entre 7 qui sont malades et que 2 qui soient peut-être cassés un genou. Je suis parti chercher des moustiques en Afrique que j'ai déposés dans leur hôtel Chikungunya direct. Ils ont tous chopé la malaria, ils n'avaient pas fait leur vaccin.